Bonjour mes petits camarades, nous sommes le mercredi 18 mars 2020. Rassurez-vous, je ne suis pas en Corse, hein. Je ne suis pas dans le maquis, hein. Enfin pas encore. Hein. Voilà, j'ai mis mon masque, ma cagoule à moi, ma cagoule d'intervention quand j'étais gendarme. Voilà, donc c'est juste pour pas polluer les animaux. Hein. Et puis ben, c'est juste aussi le temps de ce petit bout de vidéo ben, pour avoir un petit peu d'humour. En ces temps un peu troublés, ça fait du bien de rigoler, ça fait du bien de déconner. Hein. Sinon, je vous assure, c'est bien moi, vous allez voir. Bon, ça y est, tu me reconnais maintenant? Allez, ciao. Je retourne au maquis. Eh oui. Bon, ben, je fais une bonne balade, là. Je suis pas loin de chez moi, parce que on peut plus partir ni à droite, ni à gauche, ni en bagnole, ni quoi, ni caisse. Donc bah, voilà, autour de fumée, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bois, il y a de quoi respirer, il y a de quoi prendre du bon temps. Hein. Voilà, vous allez voir ce petit reportage photographique qui va avec. Hein. Et puis bah, bon courage à tous, faites comme moi, sortez seul, c'est sympa aussi. Hein. Moi ça fait des lustres que je sors seul, bah, je ne pollue personne et personne ne me pollue, comme ça, tout va bien. Allez, Kenavo. Les petits copains. Une belle balade là. Hein. Je suis parti à midi et demi. Il est déjà 2 heures. Mon téléphone. Donc voilà, il me reste allez, une bonne demi-heure pour rentrer. Je fais une petite pause sympathique au soleil et en plein bois hein, pour manger mon petit citron, mes petites vitamines C, les copains. Voilà. Ah, encore heureux que même si on est confiné, on peut quand même faire des activités physiques. Hein. Heureusement. Maintenant, il faut les papiers. Ausweis. C'est la guerre. C'est l'occupation. Enfin bon, si vraiment ça nous protège d'être confinés chez nous, et de sortir seul, tant mieux. Si on peut gagner cette guerre. Viral, ça sera du bonheur. Hein. On ne revivra que plus fort. Hein. Là, on pourra se dire que on y a échappé. Pas tout le monde, malheureusement. Les injustices de la nature. Hein, sauf que là, c'est pas la nature qui a provoqué ce virus, mais bon. On va pas épiloguer là-dessus. Hein. Ben voilà quoi. Non, mais sinon, voilà. Autour de chez moi, hein, j'habite à Fumée, dans les Ardennes. Hein. Bah, il y a de quoi faire, hein. C'est pas les bois qui manquent. Hein. Alors d'habitude, bah, je prends ma voiture, puis j'aime bien aller en vallée de Semois parce que c'est sauvage. Puis finalement, bah, c'est un peu comme les parieaux qui connaissent pas la tour Eiffel. Hein. Près de chez toi, souvent, bah, il y a des trucs qui sont très bien, hein, que je découvre, que je redécouvre, parce que la nature a repris ses droits. Hein. C'était le chemin que j'ai emprunté là. Un chemin qui fait les boucles de la Meuse. Fumée est très étendue quand même. Hein. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a de la belle nature, on respire bien. J'ai vu quelques animaux, pas le temps de les photographier. Bah si,
Vous verrez, il y a un beau frelon, un papillon, des fleurs. C'est vrai qu'il fait meilleur. Quand même aujourd'hui, hein, c'est juste au moment où on n'a plus le droit de sortir que le soleil nous invite à le faire. Alors même si c'est couvert, c'est quand même beau. Hein, puis bon, il fait 12, 13, 14 en plein soleil. Hein. C'est le printemps, les amis. Voilà. Voilà, voilà. Ça me fait roter, moi, le citron. Et alors, un petit coup de flotte derrière tout ça. On se rince les ratoches et les papilles. Voilà. Très, très bien. Un bel endroit. Voilà les amis, on va se dire au revoir pour cette fois-ci. Et puis, comme il est convenu de dire, bah, prenez soin de vous. Hein. Ne faites pas n'importe quoi. La vie, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, moi, comme je dis toujours, quoi qu'il nous arrive, la vie, elle est belle. Quand on est dehors, qu'on respire, c'est magnifique. Donc, pensez à ça, pensez à tous ces gens. Qui sont atteints, eux, qui ne peuvent plus respirer et qui malheureusement ne s'en sortiront pas. Bon allez, on termine sur un petit sourire et puis une note optimiste. À la prochaine.